Parlons maintenant du chef conservateur Pierre Poilievre qui a de nouveau traité Valérie Plante d'incompétente aujourd'hui. Yves, cette fois, c'est en lien avec les délais interminables pour obtenir un permis de construction dans la métropole. En effet, Sophie, chef conservateur qui ne semble pas avoir une très haute opinion de Valérie Plante, l'avait traitée d'incompétente en février dernier parce qu'il disait qu'elle bloquait des projets de construction de logements. Il a récidivé aujourd'hui et effectivement, c'est en lien avec des délais pour émettre des permis de construction. Ça peut prendre jusqu'à 20 mois dans certains arrondissements. Juste avant la sortie de chef conservateur, Mme Plante et son équipe ont fait le point sur les logements. Voyez les grandes lignes de leur annonce. On promet de mettre en chantier 120 000 logements en 10 ans. Montréal qui vise une proportion de 20 % des logements hors marché et fixe en effet, Sophie, ce délai cible de 120 jours à ces arrondissements pour émettre des permis de construction les plus simples. On va écouter la sortie du chef conservateur. L'incompétence de ce premier ministre et la mairesse libérale de Montréal qui bloque la construction ont triplé le loyer à Montréal.